c'est un regard tout à fait nouveau aujourd'hui qu'on apporte aux visiteurs, une immersion dans les siècles précédents, surtout de découvrir l'abbaye telle qu'elle était et les différents bâtiments qui l'ont constituée avant 1823, la date de sa destruction. Pour moi, ce projet de réalité augmentée, c'est un vieux rêve qui se concrétise. Cette abbaye, je lui ai consacré une partie importante de ma vie, déjà en y usant mes culottes quand j'étais gamin, et puis en y consacrant ma thèse. Donc c'est une vieille compagne, et ce projet de réalité augmentée aujourd'hui présente évidemment beaucoup d'avantages, et le principal, c'est la grande revanche de la ruine. C'est la revanche de cette abbaye sur cette tragédie qui a été la destruction de 1823. On croyait ne plus rien connaître, ne pas savoir comment elle était faite, comment elle était construite. Et grâce à la réalité augmentée, aujourd'hui, vous allez découvrir, comme nous, l'abbaye au temps de sa splendeur. Pour l'archéologue, je suis à Sainte-Marie-d'Eau. La réalité augmentée permet en fait de revoir un certain nombre d'aspects sur, par exemple, l'organisation de l'espace ecclésial, aussi bien au niveau de l'église que du cloître. Et c'est vrai qu'ayant pratiqué un certain nombre de fouilles ici, on a fait des publications, on a permis de mettre en évidence des différentes phases du bâti médiéval, moderne, 18e, mais il y a toujours des zones d'ombre. Et le fait de le restituer en trois dimensions, ça permet justement de lever ces zones d'ombre, parce qu'on est obligé d'apporter une réponse, donc on est obligé d'aller plus loin. Donc, effectivement, on s'approche plus près de la vérité. Et puis, ça permet de ce fait de présenter aussi à un public plus vaste une réalité qui est plus proche de ce qu'on espère être la vérité. Si je devais retenir quelque chose dans l'abbaye, actuellement, au stade des recherches, ça serait la fontaine en bronze qui occupait le lavabo dans la cour du cloître, hein, qui est un objet assez extraordinaire qu'on a découvert par les textes, puisque l'objet a disparu à la Révolution, et qui a été fait par un certain Hugues de Cambrai à la fin du XIIe, début du XIIIe siècle, commande du IXe abbé. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui a disparu, on a très peu d'exemples, on n'en a aucun d'autre de connu. Pour réaliser l'application de l'abbaye de Saint-Jean-d'Eau, Art Graphique et Patrimoine a procédé à un relevé 3D de l'ensemble du site, à l'aide de techniques lasergrammétriques et de prises de vue photographiques. Sur cette base, et grâce aux ressources qui nous ont été communiquées par le comité scientifique, nous avons pu reconstituer l'abbaye telle qu'elle pouvait être à différentes époques, sous la forme d'un modèle 3D hyper réaliste. Pour nos visiteurs qui seront équipés déjà d'un smartphone récent, l'application elle est téléchargeable déjà au préalable sur les stores, mais également disponible en téléchargement depuis l'accueil. Ceux qui ont envie d'aller un petit peu plus loin dans l'expérience, on proposera également des tablettes d'un plus grand format. Et ceux qui ont vraiment envie de faire l'expérience totale, eh bien ceux-là, on leur proposera à la location des casques de réalité virtuelle. Donc là, on est immergé à 360, donc tout le champ de vision est pris. Pour nos visiteurs, ils pourront enfin découvrir ce qu'était l'abbaye. C'est vrai que quand on visite aujourd'hui l'abbaye d'Eau, on a vraiment du mal à se représenter ce qu'ont pu être les bâtiments, et ce qu'a pu être la vie des moines à cette époque. Et puis, le petit plus, c'est qu'on va pouvoir, à l'intérieur de l'abbatiale, changer les ambiances lumineuses, voir comment c'était aux offices du matin jusqu'aux offices du soir et avoir accès aussi au chant des moines. Donc c'est la première fois qu'on va pouvoir avoir une image très précise de ce qu'a pu être le domaine monastique du temps de la présence des moines.